Salut les sucrés, c'est Naïmas, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue pour cette nouvelle recette dans laquelle on va faire une tarte abricot, une recette très simple mais efficace. C'est parti! La pâte sucrée, vous retrouverez la recette à la fin de la vidéo. Pour l'explicatif, veuillez regarder la tarte citron basilic. Nous allons passer à la crème d'amande. Pour la crème d'amande, on va utiliser du beurre, du sucre glace, de la poudre d'amande, de la farine, des œufs et de la crème liquide. Pour cette recette, nous allons mettre le beurre pommade, incorporer notre sucre glace avec la poudre d'amande et la farine, puis ajouter les œufs un à un et rajouter notre crème liquide. Pour la crème d'amande, j'ai décidé de rajouter un peu de crème liquide car ça va rajouter du moelleux après cuisson. Après, si vous ne disposez pas forcément de crème liquide mais que vous avez du fromage blanc, vous pouvez en rajouter dans la recette. La crème d'amande et la pâte sucrée sont prêtes. On va maintenant passer à la cuisson de notre tarte aux abricots. Notre tarte abricot est prête. On va la cuire en enfournant à 170, puis cuisson à 150 degrés pendant une demi-heure à 45 minutes. Notre tarte abricot est maintenant finie. Si vous aimez la vidéo, likez et abonnez-vous. À bientôt pour une nouvelle recette.